Bonjour, merci de votre présence virtuelle à ce webinaire dédié au Master spécialisé Management de projets innovants et entrepreneuriat, MSMGPIE de l'ISAE Supaéro. Donc, je me présente, je suis Caroline Armange, responsable information-promotion. Mon rôle est notamment d'accompagner, de conseiller les candidats à nos formations. Et donc, je suis accompagnée ce soir de Philippe Girard, responsable de cette formation, de Charlotte Brenac, diplômée 2022 et cofondatrice de Elda Technologie, et de Annalise Faure, diplômée 2022 et cofondatrice de Snap Access. Donc le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous donner des informations sur notre institut. Ensuite, Philippe vous donnera tous les détails concernant la formation. Charlotte et Anne-Laure et Annalise, pardon. Ensuite, partageront leur expérience avec vous. Et enfin, nous terminerons par une session de questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions dès maintenant dans l'onglet QR de Zoom. Donc, l'ISAE Supaéro, c'est un établissement qui a été créé en 1909. C'est un établissement public sous l'autorité du ministère des Armées. C'est un leader mondial de l'enseignement supérieur en ingénierie aéronautique et spatiale. Le principal objectif de notre établissement aujourd'hui, c'est de former les prochains leaders en ingénierie aérospatiale pour relever les défis innovants et durables du transport aérien et de l'exploration spatiale. À ce jour, sur le campus, nous accueillons environ 1900 étudiants, dont 40% d'étudiants étrangers. La recherche est une priorité pour notre établissement et cela se concrétise par la présence de 5 départements de recherche au sein desquels travaillent 110 anciens chercheurs. Et à ce jour, nous comptons approximativement presque 23 000 diplômés qui sont répartis dans 67 pays dans le monde. Alors, puisque nous parlons des diplômés, je vais vous présenter quelques diplômés célèbres, pionniers de l'ingénierie, aventuriers de l'espace. Donc, l'un des plus anciens, qui fait partie des premières promotions de diplômés, c'est Marcel Dassault, fondateur de Dassault Aviation, en 1913. Ensuite, nous avons par exemple Bruno Even, président de Safran Helicopter Engines, qui est passé sur les bancs de l'ISAE Supaéro, ainsi que Guillaume Faury, la même année, qui est également directeur général d'Airbus. Aude Vignel, elle, est donc directeur technique à l'Agence spatiale australienne. Nous avons également la grande fierté d'avoir un certain nombre d'astronautes parmi nos diplômés. En effet, en 2009, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a sélectionné 3 de nos diplômés pour devenir astronautes, dont le fameux Thomas Pesquet que nous connaissons tous. Et tout récemment, il y a 2-3 semaines peut-être, une nouvelle sélection a eu lieu. Et là encore, 3 étudiants, 3 diplômés de l'ISAE Supaéro ont été sélectionnés. Et c'est donc Sophie Adenau qui partira prochainement dans l'espace. Donc l'ISAE Supaéro est basée à Toulouse, la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, et est véritablement ancré dans le milieu professionnel. C'est flagrant quand on regarde cette carte. Comme vous pouvez le voir, nos voisins sont Airbus Defence and Space, la DGA, la TECOER, Safran, Airbus, Thales, le commandement de l'air et de l'espace, j'en passe, et bien d'autres. Donc, cette proximité avec le milieu professionnel fait qu'on bénéficie d'un soutien d'un nombre important d'entreprises. Environ 250 entreprises cotisent à notre taxe d'apprentissage. Nous avons également des partenariats privilégiés avec des PME et des grands acteurs économiques qui peuvent aussi se concrétiser sous forme de chaires que nous avons notamment avec donc, Airbus, Safran, le GIFAS, MBDA, Dassault Aviation, Airbus Defence and Space, Ariane Group, etc. Et quelque chose de très important, c'est que cette proximité avec l'industrie a un impact fort sur nos formations, puisque nous avons 75% des cours qui sont dispensés par des professionnels en activité dans l'industrie. Des cours de master spécialisés, je précise. L'ISAE Supaéro souhaite donner tous les moyens possibles à ses étudiants, les meilleures conditions de travail pour donc faire leurs études sur le campus. Donc nous mettons à disposition de nos étudiants des équipements de pointe. Donc là, vous en avez un petit échantillon. Donc nous avons des simulateurs de vol, une volière de drones. Nous avons notre propre flotte d'avions légers, environ 10 avions qui se situent sur un aérodrome à quelques kilomètres de l'école. Des salles blanches qui sont dédiées notamment à la conception de CubeSat et par exemple la plus grande soufflerie aéroacoustique d'Europe dans un centre de formation.
Tout récemment, nous avons inauguré deux espaces high-tech. Alors, l'InnoSpace a été inauguré l'année dernière. C'est notre Fab Lab qui est vraiment dédié à 100% à l'innovation et qui est ouvert en accès libre à nos étudiants. Au sein de ce Fab Lab, vous allez trouver des espaces de prototypage, un atelier mécanique, un atelier électronique, impression 3D, un laboratoire numérique de réalité augmentée où nous nous trouvons donc ce soir pour ce webinaire. Et bien d'autres matériels encore pour vous aider donc à innover. Et il y a tout juste quelques semaines, nous avons donc inauguré notre Aérotech. C'est un magnifique bâtiment très moderne avec vue sur le canal du Midi, au sein duquel vous allez avoir accès à des outils et des espaces de travail pour consacrer du temps à vos recherches et à vos travaux de groupe, par exemple. Alors, le travail, c'est important, mais il faut aussi pouvoir se détendre. Et c'est vrai qu'au sein de l'ISAE Supero, on vous propose énormément de possibilités d'infrastructures sportives pour pouvoir vous relaxer après vos longues journées de travail. Donc là encore, ce n'est qu'un échantillon. Nous avons une piscine de 25 mètres sur le campus, des terrains de tennis, un mur d'escalade, des espaces verts. Voilà, vraiment beaucoup de possibilités de se détendre en dehors des cours. Ça se confirme aussi à travers la vie étudiante d'une manière générale. Donc, Toulouse est élue première ville étudiante par l'organisme d'étudiants depuis plusieurs années. C'est une ville dynamique, en pleine ébullition, mais qui offre également la douceur de vivre de la ville rose. Et plus particulièrement au sein de l'ISAE Supero, sur notre campus, nous offrons l'accès à 100 associations et clubs étudiants. Donc, bien évidemment, nous avons des clubs qui sont très orientés à aéronautique et espace, avec des drones, des clubs drones, aéromodélisme, etc. Mais également sur d'autres thématiques dédiées aux arts, avec du théâtre, de la photographie, des séances de débat, l'organisation d'événements. Et comme je vous le disais déjà au préalable, vraiment tous les sports sont accessibles, la plongée sous-marine, le parachutisme, l'aviron et bien d'autres. Donc, les masters spécialisés. Qu'est-ce qu'un master spécialisé ? Donc, c'est une formation professionnalisante qui va venir compléter votre formation initiale. C'est un label de spécialisation accrédité par la Conférence des grandes écoles qui certifie donc la qualité du programme. Et plus spécifiquement à l'ISAE Supero, qui est donc une école d'ingénieurs de haut niveau, les formations sont très exigeantes en termes de niveau scientifique et également managérial, alors ce qui est le cas justement pour le master spécialisé Management de projets innovants et entrepreneuriat que nous vous présentons ce soir. Ce sont des formations qui sont reconnues par les professionnels puisque nous fournissons des compétences aux étudiants qui sont recherchés par les recruteurs. Et enfin, un master spécialisé vous permet de valider 75 crédits au CTS. Donc il y a une reconnaissance européenne et internationale. Donc à qui s'adressent les masters spécialisés ? Une petite coquille sur le titre, veuillez nous en excuser. À des jeunes diplômés, bien évidemment, mais également à des professionnels, des demandeurs d'emploi. En termes de prérequis, il faut avoir validé un diplôme d'ingénieur, mais pas uniquement. On peut aussi accepter sur certains programmes des diplômés d'une école de management, ce qui est le cas justement sur le master spécialisé management de projets innovants et entrepreneuriat, des diplômés de master 2, scientifiques ou non. Donc vraiment une grande diversité de profils peut être admise en master spécialisé. Donc, en synthèse, quels sont les atouts d'un master spécialisé de l'ISAE Supero ? Donc, le premier atout, c'est vraiment l'acquisition d'une expertise qui va venir compléter votre formation initiale. C'est le développement d'une double compétence, en l'occurrence, dans ce master MGPIE, le management de projets innovants. Ce sont des formations qui sont conçues afin de répondre aux besoins des industriels, tant et si bien que nous organisons deux fois par an des conseils de perfectionnement auxquels les principaux acteurs de l'industrie aéronautique participent, nous font part des compétences qu'ils recherchent et nous faisons évoluer nos formations chaque année en fonction de ces besoins. Ce sont des formations qui allient bien sûr théorie et mise en pratique. Vous l'avez vu, on met un certain nombre d'infrastructures techniques à disposition de nos étudiants pour qu'ils puissent effectivement mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus. Ce sont des formations dispensées par des professionnels, donc qui représentent 75% des intervenants sur les masters spécialisés. Et voilà, je voulais préciser que les formations de master spécialisés sont des petites promotions, elles n'excèdent jamais 30 personnes. Et c'est vraiment une chance unique de pouvoir justement interagir avec ces professionnels, même pendant les cours, au moment des pauses, etc.
C'est bien évidemment le développement d'un réseau. Donc, il y a le réseau officiel, le réseau alumni de l'ISAE Supero, mais il y a également le réseau MGPIE et le réseau MGP dont vous parlera Philippe tout à l'heure. Ce sont des formations qui sont dispensées dans un environnement multiculturel. On l'a déjà mentionné précédemment, donc une grande variété de nationalités, une variété de profils, et c'est une véritable richesse, notamment pendant les travaux de groupe. Et enfin, ce sont des formations à forte employabilité et accélérateur de carrière. Donc, on va le voir notamment avec la slide suivante. Donc là, il s'agit de l'enquête qui a été réalisée, l'enquête emploi qui a été réalisée auprès des diplômés 2021. Et donc, on peut constater que 75% de nos étudiants trouvent un emploi avant même d'être diplômés. Voilà. Et plus spécifiquement pour le master spécialisé MGPIE, 90% de nos étudiants ont une offre d'embauche à l'issue de leur stage. Donc, petit focus sur le Career Center. C'est un service au sein de notre école, un service à vie, c'est-à-dire qu'ils vont vous être accompagnés aussi bien quand vous êtes étudiant, mais également pendant votre vie professionnelle. Le Career Center organise beaucoup d'événements, un forum emploi en début d'année. Il organise des journées de recrutement dédiées à certaines entreprises. Il y a quelques semaines, nous avons accueilli Dassault Aviation sur le campus. Nous avons également accueilli Airbus. Et en fait, ce sont directement les industriels qui viennent vous rencontrer sur notre campus. Donc, le MSMGPIE, je laisse la parole à Philippe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Caroline, merci pour ce tour d'horizon déjà de la vie sur notre campus, qui est une vie foisonnante, et puis pour ce rappel des caractéristiques des masters spécialisés en général. Et maintenant, on va rentrer dans le détail d'un master spécialisé en particulier, c'est tout l'objet de ce webinaire ce soir, qui est le master MGPIE, c'est-à-dire, ça signifie Management de projets innovants et entrepreneuriat. Alors, avant que je rentre dans le détail du contenu de ce programme, ce que je vais faire dans quelques minutes, et puis au-delà de ça, je vous dirai un peu quels sont les métiers auxquels ce master prépare plus particulièrement, je voudrais prendre une minute pour vous dire que ce master, nous avons actuellement dans nos murs la quatrième promotion du master MGPIE. Donc c'est un master qui est finalement assez récent et pourtant il a déjà une longue histoire parce qu'il a déjà un ancêtre. Et cet ancêtre s'appelait tout simplement le master MGP, sans le I et sans le E. Mais si je prends le temps de vous dire ça, c'est parce que le master MGP fait qu'il a duré 20 ans, le master MGP. Et donc il y a un réseau d'anciens qui avoisine les 1200 anciens étudiants. Et ça, c'est un réseau particulièrement précieux, précieux notamment pour la promotion en cours, c'est-à-dire précieux pour ceux qui vont sortir, qui attendent des stages, qui attendent une première expérience professionnelle, des CDI. Je peux vous dire que le réseau MGPIE de près de 1200 étudiants est très actif, très efficace dans la recherche d'une première expérience professionnelle. Je voulais le signaler parce que c'est un peu un paradoxe. Sur un master qui a donc été récemment entièrement revu, remodelé, on a repris les fondements de la formation pour qu'il puisse répondre très précisément aux attentes actuelles des entreprises qui embauchent. On a fait cette refonte complète, mais en même temps, on s'appuie, on est adossé à un réseau d'anciens très actif et très efficace. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, avant que d'attaquer maintenant le contenu détaillé de la formation qui finalement peut se résumer sur une planche unique que vous avez devant vous et que je vais maintenant vous détailler. En fait, le programme s'appuie sur trois piliers, sur trois dimensions que vous avez devant vous. Premier pilier à gauche, technologie innovante et idéation. Pilier du milieu, management de projets et soft skills. Et enfin, à droite, entrepreneuriat plus intrapreneuriat.
Alors, commençons par le début. Et quand je dis début, c'est aussi parfaitement l'ordre chronologique des cours, car on commence dès le début de l'année, donc dès la toute fin septembre, par ce premier pilier, technologie innovante et idéation. Donc, dans cette formation, vous allez commencer par avoir une description et un passage en revue détaillé de ce que sont les technologies les plus récentes, les technologies dont tout le monde parle, dont on entend sur toutes les chaînes de médias, sans d'ailleurs toujours très bien savoir exactement ce que c'est. La définition n'est pas toujours très claire. Et bien là, on les passe en revue. Par exemple, l'intelligence artificielle, le blockchain, le big data, les drones, les objets connectés, la fabrication additive, etc. Enfin, j'en passe, il y en a beaucoup. Le but, dès le début de l'année, c'est de les passer en revue, non pas pour faire des étudiants des experts dans ce domaine, c'est pas du tout le but, mais pour déjà avoir une définition claire de ce qu'est ou de ce que n'est pas, de ce que ne sont pas ces technologies. Et surtout, qu'est-ce que l'on peut en faire? À quoi elles servent exactement? C'est ça que on va essayer de montrer aux étudiants sous forme finalement uniquement de sortes de conférences de 3 heures. Ce sont des experts de ces domaines-là qui se succèdent et qui en 3 heures vont en faire une description précise. Mais en 3 heures, il n'est pas question évidemment d'aller plus loin. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la technologie et l'innovation en général que l'on a dans ce master, ça s'inscrit dans un développement même plus général de l'innovation technologique que l'on peut maintenant, qui va se développer sur l'ensemble du campus et pour l'ensemble de nos étudiants et pas seulement de ce master spécialisé. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à un acteur de ce développement, c'est François, qui sous forme d'une petite vidéo va vous présenter les technologies et leur développement au sein de l'Institut. L'innovation est une des réponses clés aux grands défis actuels de nos sociétés, au premier rang desquels la raréfaction des ressources, le vieillissement de la population, mais aussi et surtout la dérégulation climatique. L'ISAE Supaéro s'est engagé résolument dans cette voie, avec notamment la consécration comme troisième pilier de l'Institut de l'innovation après la formation et la recherche. Un service innovation entrepreneuriat a donc été créé récemment. Il a pour mission principale d'instaurer une dynamique d'innovation et une dynamique entrepreneuriale. Il s'appuie aussi et surtout sur un laboratoire, un Fab Lab, qui s'appelle l'InnovSpace. Et c'est un lieu polyvalent qui va vous permettre à la fois de booster votre créativité avec des sous-ateliers bois, impression 3D, le lieu dans lequel je me trouve actuellement, électronique, couture, etc. C'est un incubateur qui part de l'idée et qui va jusqu'au marché. Et nous, le service innovation entrepreneuriat, nous sommes chargés d'organiser cette rencontre entre l'idée d'un côté et l'arrivée sur les marchés avec l'aide de tout l'écosystème toulousain qui, vous le savez, est extrêmement développé. Voilà, donc le SIE est à votre service. Nous avons ici, à l'ISAE Supaéro, une véritable politique d'innovation d'entrepreneuriat qui s'est développée, qui est en cours d'accélération et qui est un véritable service à destination des étudiants et du personnel de l'ISAE Supaéro. Nous vous attendons ici à l'InnovSpace pour gérer, développer et accompagner vos projets. Eh bien, je reprends donc la parole maintenant pour continuer toujours sur ce premier axe du triptyque que vous avez devant vous. Et je complète avec l'idéation. Alors, l'idéation, qu'est-ce que c'est? C'est un mot générique, en fait, qui regroupe un certain nombre de disciplines qui sont là pour faire passer un message assez puissant envers les étudiants pour leur dire « osez ». Osez sortir du cadre, osez sortir des rails sur lesquels vous êtes peut-être depuis un certain nombre d'années et en fait vous n'avez qu'une attente, c'est de pouvoir sortir de ces rails, et bien c'est le moment. Donc dans l'idéation, ça regroupe des cours comme des cours de créativité, des cours d'intelligence collective, d'open innovation ou de design thinking, et tout ça en fait est fait pour être porteur du message. Essayez d'avoir des idées. Vous avez
des technologies qui vous ont été présentées, eh bien, osez les mélanger, osez les utiliser. Ne faites pas de conception de ces technologies-là, mais utilisez telles qu'elles sont aujourd'hui et mélangez-les pour essayer, et au service en tout cas, d'un produit technologique innovant. C'est ça l'idéation. Et on commence avec ça dès le début de l'année, on mélange technologie et idéation. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, on peut passer sur le pilier numéro 2, central sur la slide. Là, on va aborder tous les thèmes classiques du management de projet. Alors ça, pourquoi ? Parce que les outils de management de projet, ce sont des outils qui sont extrêmement structurants pour l'esprit. Donc après avoir eu une phase de créativité, qui est toujours un peu issue d'un chaos, eh bien, ces idées, on va les mettre en musique, on va les coucher sur le papier et on va essayer d'être convaincant et on va en étudier précisément la faisabilité. Alors, on utilise pour ça les outils de management de projet et je crois qu'il n'y a pas mieux. Quels sont-ils ces outils ? Je ne vais pas tous les passer en revue, mais comment fait-on un WBS, c'est-à-dire une arborescence des produits ou des tâches à effectuer ? Comment évalue-t-on le risque d'un projet ? Comment planifie-t-on un projet ? Comment peut-on s'assurer que le projet qu'on a, le produit qu'on a en tête, eh bien, il sera un jour rentable et quand ? Voilà autant d'outils vus en cours et qui sont la suite logique en fait, d'idées au départ. Et puis ensuite, si on a étudié la faisabilité et que l'on peut considérer que l'idée qu'on a eue en tête, elle est réalisable, elle est techniquement et économiquement faisable, eh bien, on va passer au troisième volet, qui est finalement l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, eh bien, pourquoi ne pas créer sa start-up en vue de commercialiser le produit. Et on retrouve là une série de cours autour de comment on monte sa start-up, comment on protège une idée, comment on fait des levées de fonds, comment on établit un premier bilan comptable. Toutes ces choses qui sont absolument nécessaires pour se lancer dans la création d'entreprise. Et vous voyez qu'il y a également mentionné sur la slide, et c'est important, le terme d'intrapreneuriat. En effet, tous les étudiants qui font ce master ne sont pas nécessairement de futurs start-upers. Certains ont envie de rejoindre à l'issue de la formation des grands groupes, des Dassault, Thales, Airbus, mais quand même toujours avec l'idée d'essayer de travailler autrement, c'est-à-dire avec des méthodes plus rapides, plus véloces, plus agiles. L'agilité, fameux mot magique que l'on trouve beaucoup dans les entreprises. L'intrapreneuriat, nous ne l'avons pas mis volontairement dans le titre de ce master parce que c'est un mot qui finalement n'est pas si connu que ça. Mais en réalité, c'est simple. Ça veut dire travailler dans des grandes structures, mais avec des méthodes entrepreneuriales. Et ça, je peux vous dire qu'il y a une attente très forte de la part des entreprises aujourd'hui pour accueillir et embaucher des cadres qui ont cette sensibilité de savoir travailler autrement. Et puis, je reviens un instant dans le pilier numéro 2, le pilier central. Vous voyez écrit également « soft skills ». Mais en réalité, des soft skills, il y en a un peu en transverse sur les trois piliers. Et c'est très important, les soft skills. Qu'est-ce que c'est que les soft skills ? C'est tout simplement le savoir-être. Ça correspond à des cours de communication, à des cours d'argumentation, de négociation. Très important, la négociation. Et puis, surtout, comment être percutant, comment être convaincant. Et il y a aussi, d'ailleurs, à ce titre, des cours pour apprendre à pitcher. Alors, voilà, en gros, les trois axes qui forment le triptyque de cette formation. Vous avez, en bas du tableau, vous avez un axe bleu très transverse. On l'a appelé fil rouge. En réalité, dans le jargon interne du master, on parle plutôt de PIE, projet innovant exploratoire. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une vaste étude de cas qui va s'étaler sur l'ensemble de la formation, donc sur 6 mois, et dans laquelle on demande aux étudiants
assez tôt, hein, dès les premières semaines de cours, en octobre, d'avoir une idée d'un produit technologiquement innovant et qui pourrait correspondre évidemment à une attente sur le marché. Et donc les étudiants eux-mêmes doivent, pendant les premières semaines de cours, essayer de réfléchir à ces technologies innovantes qui défilent devant eux, et bien de savoir comment les utiliser. Et ensuite, ils vont devoir, pendant les 6 mois, démontrer la faisabilité de ce produit en utilisant l'ensemble des concepts vus en cours. C'est la raison pour laquelle ce PIE se déroule au fil de l'eau et au fil des cours et donne lieu à la fin à la remise bien évidemment d'un rapport, mais aussi au fait de défendre devant un jury, souvent d'ailleurs d'économistes ou de capital risqueurs, leur idée. Ça c'est un exercice, c'est l'exercice phare de cette formation, et pour illustrer, vous aurez dans quelques instants le témoignage d'une étudiante qui va vous parler de l'idée qu'elle a eue et qui est en train de se transformer en une véritable success story. Voilà. Alors, sur cette avant-dernière slide, les mots finalement qu'il faut retenir. On parle dans ce master d'innovation, mais ce sont des innovations technologiques, ce ne sont pas des innovations par exemple de services, on parle bien sûr de produits technologiques. On parle de projets et même de management de projets pour mettre ces idées en ordre. Et puis, on parle également création d'entreprises, création de start-up pour éventuellement commercialiser le produit, ou intrapreneuriat pour aller travailler dans des grandes structures, mais avec des méthodes différentes. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que vous voyez que, en fait, chacune de ces compétences qui sont désignées là, on les trouve ailleurs, hein, dans d'autres masters. Par exemple, des masters en innovation technologique, il y en a, qui sont en général du côté des écoles d'ingénieurs. Des formations et des masters en entrepreneuriat, il y en a aussi, bien sûr, mais elles sont en général plutôt du côté des écoles de commerce. Quant au management de projet, lui, ben, on en trouve un peu dans les deux, des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Mais ce master spécialisé MGPIE, lui, par rapport à ça, il est très transverse. C'est-à-dire qu'on part des innovations technologiques, on essaye de comprendre comment on peut faire naître une idée à partir de cela, puis on voit les méthodes de management de projet et enfin l'entrepreneuriat. Donc il y a comme une sorte d'accompagnement et de logique qui va de l'idée à la commercialisation d'un produit. Et je crois que c'est ce qui fait la spécificité de ce master, qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs, cette espèce de logique et ce suivi qui s'enchaîne au fil des semaines et des mois dans la formation. Ça sera ma dernière slide pour vous dire qu'il y a dans ce master, mais alors là on rejoint aussi un peu un aspect général, parce qu'on retrouve ça dans tous les masters spécialisés. Il y a donc un tronc commun de cours qui est sur 6 mois et qui représente 350 heures, c'est même plutôt on s'approche des 400 maintenant, donc c'est assez dense quand même en heures de cours. Et puis, pour pouvoir valider le diplôme, eh bien, il faut se prévaloir déjà d'une expérience professionnelle qui est de 4 mois minimum, 6 mois maximum s'il s'agit d'un stage. Mais je veux dire aussi par là, c'est que ce n'est pas forcément un stage qui est obligatoire à l'issue du tronc commun, c'est une expérience professionnelle. Et il y a chaque année dans le master des étudiants qui ont déjà fait des stages en école d'ingénieur ou en école de commerce et qui disent, bon voilà, moi j'en ai déjà fait 2, parfois 3, parfois une année de césure, et qui disent, ça va, j'ai plutôt des velléités maintenant à chercher directement un CDI. Il n'y a pas de problème, les opportunités en plus, on discutera peut-être au travers des questions, elles sont là, les opportunités d'emploi, donc pas de souci, on demande simplement une expérience professionnelle de 4 à 6 mois pour valider le diplôme. Enfin, et là je ne m'étendrai pas beaucoup, il y a une thèse professionnelle à réaliser, disons que ça c'est plutôt une sorte de mémoire que l'on réalise pendant
le stage ou l'expérience professionnelle et qui donnera lieu à une soutenance. Il n'y a pas, en fait, on ne demande pas dans les masters spécialisés de rapport de stage ni de soutenance de stage, mais à la place, on demande la réalisation d'une thèse professionnelle et d'une soutenance de thèse professionnelle, qui est un exercice un peu différent du rapport de stage classique que tous les étudiants connaissent. Voilà pour ce qui est de balayer rapidement, certes, le contenu de ce programme. Et puis, on va s'apprêter à répondre naturellement à vos questions. Mais avant, on va peut-être écouter des témoignages, Caroline. Merci, Philippe, de ton intervention. Plaisir. Alors, avant d'écouter Charlotte et Annalise, je vais quand même vous dire, si jamais, maintenant que vous avez toutes les informations sur notre institut et que Philippe vous a donné toutes ces précisions sur le master spécialisé MGPIE, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de... Les candidatures sont déjà ouvertes pour la rentrée 2023. Il suffit de déposer un dossier en ligne. Il n'y a ni test, ni entretien. Le premier jury d'admission est déjà passé. Nous organisons un jury par mois jusqu'au mois de juin. La prochaine date limite sera le 11 janvier 2023, les suivantes le 6 février, le 6 mars, etc. C'est un dossier de candidature simple, une lettre de motivation, un CV, deux lettres de recommandation. Nous préconisions de fournir la lettre de recommandation d'un tuteur de stage et celle d'un référent académique. Il faut également fournir les relevés de notes de vos trois dernières années d'études, un certificat de scolarité ou copie du dernier diplôme et ou justificatif de situation professionnelle. Un test d'anglais également, donc TOEIC, TOEFL, Cambridge, IELTS, Lingua Skills. Vous pourrez trouver les scores minimums requis sur notre site internet. Petite précision, si vous n'avez pas de test d'anglais, de certificat d'anglais à ce jour, cela ne doit pas bloquer le dépôt de votre candidature. Il est tout à fait possible de fournir un justificatif d'inscription à l'un de ces examens et de nous fournir le résultat de votre test ultérieurement. Également une copie de pièce d'identité, et donc il y a 90 euros de frais de dossier. Donc si vous voulez nous rejoindre, il vous suffit de flasher le petit QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Et bien voilà, maintenant c'est le moment de donner la parole à nos diplômés, donc Charlotte Brenac. Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ton projet et en quoi il consiste ? Donc mon projet, donc le projet ELDA, est né dans le cadre du master spécialisé MGPIE au cours d'un cours de créativité dont on a parlé Monsieur Girard précédemment. Et donc nous étions un petit groupe et nous devions développer des idées avec des consignes assez précises. Et donc, nous étions tous passionnés de montagne, et nous nous sommes dit, bah, pourquoi pas nous attaquer aux besoins des stations ski, au niveau précisément de leur sécurisation du domaine skiable. Et donc, notre idée première était de développer un drone pour anticiper le risque d'avalanche, et donc suivre en temps réel le manteau neigeux. Donc, par combinaison de données, nous voulions identifier le risque d'avalanche, et à la suite de cette analyse, le drone serait donc capable d'aller larguer des charges explosives sur les zones à risque d'avalanche et donc venir remplacer le travail des pisteurs sur les zones dangereuses, inaccessibles pour eux. Et aujourd'hui, donc, le projet a beaucoup évolué, puisque nous avons beaucoup analysé les besoins de nos clients, mais également le marché. Et nous avons pu voir aujourd'hui que les stations de ski étaient confrontées à l'impact énergétique. Et donc aujourd'hui, ELDA Technologies, c'est le développement d'une plateforme donc évolutive, précise et innovante du suivi du manteau neigeux. Donc par combinaison de données à la fois météorologiques, satellitaires et des données aéroportées, toujours en provenance d'un drone, on va proposer à nos clients les stations de ski une cartographie complète 3D du suivi du manteau neigeux pour alors à la fois les aider à optimiser la production de la neige de culture, mais également pour les aider à identifier et anticiper les risques d'avalanche. Et aujourd'hui, on est quatre étudiants donc, du master spécialisé MGPIE à travailler sur ce projet. Et donc là vous êtes toujours tous les quatre, on va dire, hébergé, j'allais dire incubé, mais le terme n'est pas tout à fait exact parce que nous n'avons pas d'incubateur, mais hébergé au sein du Fab Lab InnoSpace. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait, comme les autres étudiants qui souhaitent plutôt rejoindre des grands groupes, vous n'avez pas fait de stage en entreprise, mais vous avez fait le stage au sein du Fab Lab.
Et là, maintenant, vous êtes diplômé, voilà, la formation, elle est finie, puisque vous êtes de la promotion précédente, mais vous continuez d'être accompagné au sein du campus. Oui, c'est ça. Pour la petite histoire, du coup, on a eu la chance de faire notre stage sur ce projet. Et on a été hébergé gratuitement à l'ISAE Super-Héros. On a eu également des coachs de l'entrepreneuriat qui nous ont suivis. Et comme le projet a très bien marché, nous avons souhaité le pousser et l'emmener à la création de la start-up qui doit se faire normalement dans le mois qui vient. Et on est très fiers d'être accompagnés par l'ISAE Super-Héros. Et on est toujours hébergé à l'InnoSpace, à l'étage, avec les start-up. Et donc, si vous voulez nous retrouver, nous poser des questions, on sera là. Et alors, ce que Charlotte ne vous dira pas, parce qu'elle est très modeste, c'est que vous avez participé, le groupe a participé à plein de challenges dans lesquels les étudiants, ou non étudiants d'ailleurs, sont présentes, en fait, des idées innovantes et parfois gagnent des prix. Et là, de ce point de vue-là, vous avez fait un joli parcours aussi. Oui, on a pu participer à de nombreux concours, notamment le prix Pépite, qui récompense les projets étudiants, dont on a été lauréat. On a eu une jolie somme de 2000 euros. Et ensuite, il y a un peu plus de 3 semaines, on a été finaliste d'un concours en Italie, le Pitch Your Project, qui récompense les projets pour le futur de la montagne. Donc, c'est animé par le comité stratégique européen des Alpes. Oui, c'était en Italie. Bravo. Annalys ? Oui. Donc, est-ce que toi, tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat et à choisir le master spécialisé management de projets innovants et entrepreneuriat de l'ISAE Super-Héros ? Oui. Donc, moi, de base, je viens d'une formation en électronique à l'ENSER Matmeca. Donc, pendant mon stage de fin d'études chez MBDA, je passais beaucoup de temps devant mon ordinateur à coder et je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me faisait plaisir dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai cherché qu'est-ce que j'aimais faire. Et comme je viens d'une famille d'entrepreneurs, je me suis dit que j'avais envie de monter ma société un jour. Et donc, j'ai cherché un master qui me permettait d'élargir mes compétences, que ce soit des compétences technologiques, mais aussi en marketing et en finance. Et le master MGPIE rentrait totalement dans ce spectre-là. Et c'est pour ça que j'ai intégré le master MGPIE. Et dans l'entrepreneuriat, ce que j'aime particulièrement, c'est le fait de pouvoir voir un projet du début à la fin, de l'accompagner et de le monter par soi-même, que ce soit au niveau des technologies utilisées, mais aussi au niveau de l'équipe qu'il faut créer soi-même. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement, parce que avec l'entrepreneuriat, notre boulot devient notre vie, et je crois que c'est ce que je cherchais un peu. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet aussi ? Oui, donc j'ai cofondé un projet qui s'appelle Snap Access, qui a vu le jour en septembre 2022, avec un ancien de la promotion MGPIE. Et donc notre projet, pour vous expliquer simplement, on va prendre un cas d'utilisation. Vous êtes une société qui a installé des bornes de recharge dans toute la France, et votre siège est basé à La Défense, dans les tours de La Défense, et vous devez aller réparer une borne de recharge électrique en Bretagne. Donc vos prestataires de services qui viennent réparer ces bornes se situent en Bretagne, mais vous êtes à Paris, donc vous n'allez pas vous déplacer pour donner la clé de la borne de recharge de Paris en Bretagne. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient installer des petites boîtes à clés connectées à côté des bornes à recharge, qui vont être commandables à distance, on va pouvoir changer le code et les ouvrir à distance. Et donc ça permet d'éviter des déplacements inutiles et de faciliter les opérations de maintenance sur des sites distants. Voilà. Merci à toutes les deux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur votre expérience au sein du MSMGPIE, au sein de l'ISAE d'une manière générale ? Je pense que Charlotte, comme moi, on a vécu une année très forte en émotions, on a beaucoup grandi en maturité et surtout on a découvert énormément de domaines qu'on ne connaissait pas avant avec notre formation d'ingénieur classique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, du marketing à la finance, on a beaucoup de compétences qu'on a pu découvrir pendant le master. Et puis surtout, je pense qu'on a toutes les deux trouvé notre voie, donc le master nous a permis de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Beaucoup de succès, longue vie à Snap Access et Elda Technologies ? Oui, bien sûr.
Et on Philippe, continuera de vous suivre, ça c'est sûr. Oui, j'espère. Philippe, tu veux ajouter quelque chose ? Eh bien, je vais rajouter, mais au travers des questions, que je ne doute pas que nous allons en avoir. Donc nous avons une question, effectivement. Peut-on intégrer le master spécialisé MGPIE avec des idées qu'on a déjà en tête dans le but de les concrétiser ? Et ce master est-il équivalent à un incubateur ? Alors, cette question est bien, elle est précise et la question est pertinente. Je vais essayer de faire une réponse tout aussi pertinente. Est-ce qu'on peut venir avec une idée précise ? La réponse est oui, bien sûr, bien sûr. Dans la promotion actuelle, il y a deux étudiants qui avaient pris contact avec moi il y a longtemps et qui m'avaient dit ben nous, on intégrerait bien le master, mais on a déjà une idée précise du développement d'une start-up. En tout cas, on y réfléchit et on voudrait étudier la faisabilité. C'est parfait. C'est très bien. Ils ont présenté leur projet à l'ensemble de la promotion. Deux autres étudiants ont proposé de se joindre à eux pour faire une équipe finalement de quatre. Et c'est très bien. Donc la réponse est oui. Au contraire, c'est tout à fait ouvert et tout à fait favorable. Et si on n'a pas d'idée, eh bien, on a les premières semaines du master pour proposer une idée. Que ça débouche ou non ensuite sur une start-up, ça, on verra. Que le dossier, à la fin, dise ben, c'est faisable ou ça ne l'est pas. Attention, ça c'est un point important. Parfois, il y a certains projets que les étudiants étudient. Et la conclusion, c'est, eh bien, il ne faut pas y aller parce que le marché n'est pas prêt, ou bien parce que c'est trop cher, ou bien parce qu'il y a une concurrence trop importante. Et donc la conclusion devant le jury, le jour de la soutenance du PIE, c'est, eh bien voilà, on a fait l'étude de faisabilité qui montre qu'il ne faut pas y aller pour le moment. Et c'est très très bien, c'est une très belle conclusion aussi de l'exercice que souvent le jury aime beaucoup et félicite pour sa sincérité. Alors, le complément de la question, c'était... Est-ce que c'est un équivalent ? Est-ce que ce master est un équivalent à un incubateur ? Alors non, on ne peut pas dire qu'on a véritablement un incubateur. On pourrait dire un pré-incubateur, en réalité. Des incubateurs, on n'a pas souhaité en faire, en fait, au sein de l'Institut, parce qu'il y en a tout autour. Et on ne voulait pas, en faire un énième. Par contre, nous avons un Fab Lab qui permet de faire un prototypage, et croyez-moi que ce Fab Lab, vous en avez vu quelques photos, mais il est très bien équipé, très très bien équipé. On a des gros moyens, aussi bien en informatique qu'en machine-outil, pour faire du prototypage, et il y a beaucoup de professionnels. On a bien étoffé en fait les professionnels en interne, des enseignants, des chercheurs, des techniciens qui sont là pour aider, pour accompagner, pour coacher, pour conseiller pendant le temps nécessaire. Il n'est pas illogique d'ailleurs que les groupes rejoignent un incubateur après, mais ils peuvent aussi se lancer directement. Voilà, on ne peut pas dire que nous avons un incubateur, c'est pas la fonction, et on a un Fab Lab particulièrement performant. Juste nous par exemple, on est hébergé au sein de l'ISAE Superhéros, mais on est en pré-incubation chez un incubateur. Donc on peut être hébergé et suivre d'autres programmes d'accompagnement à l'extérieur. Merci. Alors nous avons une autre question. Si je souhaite postuler parce que j'aimerais créer un produit innovant, mais que pour le moment je n'ai pas d'idée, est-ce que vous me conseillez de postuler quand même ? Ah ben c'est l'inverse, alors c'est la question inverse. Oui, bien sûr, d'ailleurs, la majorité des étudiants qui s'inscrivent n'ont pas d'idée lorsqu'ils arrivent. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, je le répète, tout le monde dans la promotion n'a pas velléité à créer une start-up derrière. Il y en a qui sont intéressés par plutôt l'intrapreneuriat. D'ailleurs, si on faisait le bilan sur les quatre premières années de la version MGPIE, eh bien, il y en a beaucoup plus qui sont allés dans l'intrapreneuriat, qui ont rejoint des grandes entreprises, que certains qui se sont lancés, comme Charlotte ou Annalise, dans l'entrepreneuriat. Donc oui, bien sûr, on peut venir sans idée, mais vous allez vous rendre compte, si vous nous rejoignez, que les idées arrivent vite. Rapidement, parce que ça foisonne de présentations, ça foisonne de dynamique.
Et donc, quelque part, les idées arrivent rapidement dans les premières semaines de la formation. Merci Philippe. Est-ce que tu peux nous dire s'il est possible de réaliser la thèse professionnelle sur le campus de l'ISAES Peyrou, au sein de l'ISAES Peyrou? Oui. De la même manière que ceux qui font leur stage en entreprise font leur thèse sur des problématiques liées à l'entreprise, eh bien ceux qui sont à l'InnoSpace pour continuer leur étude de lancement d'une start-up font leur thèse professionnelle sur un thème lié aux produits qu'ils sont en train de développer. Donc la thèse professionnelle se construit pendant la période d'accompagnement et donnera de la même manière lieu à une soutenance et à la remise d'un rapport. D'ailleurs, quel était le sujet de la thèse, de ta thèse, c'était, Charlotte? C'était comment trouver du financement pour développer sa start-up. Voilà, vaste problème. Et toi, Annalise? Et moi, c'était quels sont les freins à la création d'une start-up hardware, mais les freins financiers. D'accord. Un peu dans le même thème. Oui. Un peu autour du même thème. Ok. Philippe, est-ce que tu, avec un cursus non scientifique, est-ce qu'on peut rejoindre le master? Eh oui, bien sûr. C'est ouvert aux non scientifiques. Je précise bien que même si nous sommes dans une école d'ingénieurs et même si on va mettre en valeur des technologies, il n'est pas nécessaire d'être un scientifique. Alors, nous avons traditionnellement beaucoup plus de dossiers de candidature en fait d'ingénieurs que de diplômés d'école de commerce. Mais on est parfois les premiers à le regretter. Oui. Et en tout cas, il n'est pas nécessaire d'avoir un background scientifique pour suivre les cours. Il y a des techniques, bien sûr, qui sont évoquées dans la formation, expliquées, etc. Il faut être un peu curieux, on va dire, de la technique, mais il n'y a rien de scientifique. En termes de mathématiques, on ne va pas plus loin que la règle de 3, hein, en général, ni encore. Donc pas d'intégrale double et d'équations différentielles dans cette formation. Oui, bien sûr, les cultures non scientifiques sont les bienvenues. Oui, je crois qu'il est important de préciser aussi que bon, l'ISAES Peyrou est une école spécialisée dans l'ingénierie aéronautique et spatiale, mais les projets sur lesquels les étudiants travaillent peuvent vraiment toucher à d'autres secteurs d'activité tels que le médical, la grande distribution, enfin vraiment tout ce qui peut avoir une dimension technologique et innovante finalement, peu importe le secteur d'activité. Et absolument, je peux vous dire pour illustrer que dans la promotion actuelle, il y a deux étudiants qui étaient venus me voir en début d'année en me disant: on ne comprend pas, nous sommes étudiants et donc nous, tous les jeudis soirs, on va boire en ville, on se retrouve dans les bars. Et en fait, quand on arrive, il n'y a plus de place, il n'y a plus de table disponible, il n'y a plus de chaise. Quand il y a une chaise, il n'y a pas de table. Quand il y a la table, il n'y a pas de chaise. Et donc, ils nous ont dit, on voudrait réfléchir, nous, à un mobilier modulable à volonté pour transformer très rapidement une table en chaise, une chaise en banquette, une banquette en tabouret, etc., au gré en fait du nombre de personnes qui se présentent au sein du bar, pour permettre en fait au tavernier de pouvoir rapidement réagencer sa terrasse extérieure. Eh bien, on a trouvé ça très intéressant et j'ai totalement validé l'idée parce qu'il y a peut-être une vraie idée là derrière. Ouais. Alors, j'ai une autre question. On a accueilli deux start-upeuses ce soir, on est très fiers, mais on a aussi des étudiants qui poursuivent dans l'intrapreneuriat et qui font des missions professionnelles qui ne portent pas sur leur start-up. Est-ce que tu as en tête des exemples de stages, de missions professionnelles qu'ont effectué des étudiants de MGPI? Dans quelle société est-ce qu'ils vont faire leur mission professionnelle et sur quel type de mission? Alors, totalement en dehors de tout ce qui est... Justement, complètement en dehors de tout ce qui est entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de l'entrepreneuriat, justement, quand on a un master spé, management de projets innovants et entrepreneuriat? Alors, beaucoup d'entreprises, je vous l'ai dit, et de grands groupes aujourd'hui voient très bien la nécessité de travailler autrement. Des grandes entreprises, je ne vais pas le citer, mais quand même... Il y a forcément le monde d'Air France qui me vient et qui n'en peuvent plus de leur grosseur, de leur lourdeur et qui disent si on n'arrive pas à travailler différemment, on sera toujours derrière et la concurrence qui est plus véloce ne passera toujours devant nous. Il faut absolument travailler d'une manière différente. Et donc on voit aujourd'hui les équipes projets travailler différemment, vraiment.
Alors, je vais utiliser ce mot de méthode agile que l'on passe en revue en détail dans la formation, mais ça se généralise. Plus que des méthodes, c'est un véritable état d'esprit. Et en plus, il faut savoir travailler d'une manière très rapide et très véloce au sein d'une structure qui, elle, ne l'est pas. Et donc, toutes les interfaces que les équipes projet et que le chef d'équipe doit avoir au sein de l'entreprise sont des gens qui ne travaillent pas comme ça. Et donc, il faut arriver à les convaincre, hein, il faut changer un peu les paradigmes. Et donc, les entreprises sont très sensibles à ça. Et on voit depuis maintenant 5 ans monter de manière exponentielle les offres d'emploi ou de stage qui sont autour, alors souvent de par exemple les PMO, Project Management Officer, qui sont des gens qui sont capables de suivre l'avancée des projets, d'avoir une vision d'ensemble des projets et de rapporter ça à des chefs de projet, mais qui doivent travailler différemment, avec des méthodes agiles, et qui doivent non seulement eux les utiliser, mais les sensibiliser les autres à l'importance que ça a. Des métiers autour de chef de projet ou de PMO sont des métiers totalement en concordance avec le programme MGPIE. Et voilà. Et les grandes entreprises y sont de plus en plus sensibles à avoir des ingénieurs, alors certes des ingénieurs ou des cadres, hein, qui sont, voilà, qui ont peut-être bien faites et qui connaissent beaucoup de choses, mais qu'ils aient pu avoir en plus ces sensibilités nouvelles que les entreprises recherchent, eh bien, ils y sont très sensibles et ça avait fait souvent la différence dans les entretiens de sélection. Merci Philippe. Plaisir. Je crois que nous n'avons plus de questions. Donc, je vous remercie tous les trois, Philippe, Charlotte et Annalys, de vos interventions très enrichissantes. Je remercie les participants de leur attention. J'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir à la rentrée prochaine sur le campus de l'ISAE Supaéro et plus particulièrement au sein du MSMGPIE. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, via le site web. On sera ravis de pouvoir vous apporter des informations complémentaires à cette présentation. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.